Bonjour à toutes et à tous, avec Claude Cousturien et moi-même Claire Gache. Donc, nous sommes toutes les deux enseignantes dans des IUT. Claude à l'IUT de Toulouse 3 et moi à l'IUT du Limousin. Et nous sommes aussi chefs de projet pour l'université numérique thématique IUT en ligne. Et dans ce cadre-là, nous allons vous présenter une application pour une pédagogie différenciée qui favorise la réussite en sciences. Donc, nous allons le faire à deux voix. C'est Claude qui va passer les diapositives. Donc, IUT en ligne, c'est une des 8 universités numériques thématiques françaises qui est membre de l'université numérique, qui accompagne le réseau des IUT pour des projets qui sont des projets nationaux, par exemple le diplôme national GACO, des ressources en ligne et des quiz sur les acquis des étudiants pour la réussite, donc le projet, l'application Réussir dont nous allons vous parler. Ensuite, pour soutenir des enseignements hybrides tels que hybride GMP, GMP, ça veut dire génie mécanique et productique, c'est une des spécialités d'IUT. Et enfin, une plateforme nationale de mutualisation de contenu qui s'appelle la plateforme COP. Notre directeur, c'est Mathieu Chatras, qui est à l'Université de Limoges, à l'IUT du Limousin. Est présent normalement à Paris avec vous. Donc, IUT en ligne, c'est 8 plateformes que vous avez représentées sur la diapositive et nous allons vous parler de la plateforme Réussir. Donc, l'équipe de Réussir en sciences, c'est 6 personnes qui travaillent à temps plein, donc une équipe TIS avec Muriel Baluteau et Diana Gardenas. Ensuite, la partie pédagogique avec Claude et moi et Mylène qui est entre les deux. À cheval entre la partie TIS et la partie pédagogie, parce qu'elle est ingénieure pédagogique, et ensuite le support de Catherine Augusto qui nous aide quelquefois sur le projet. Alors, donc là, je prends la main donc, pour vous présenter Réussir. Donc, notre présentation est assez différente de celle que vous avez vue ce matin, puisque nous, ce qu'on va vous présenter là, c'est un outil. Donc, Réussir, c'est une application Bac-3, Bac+3, qui permet de mettre en œuvre une pédagogie différenciée. Elle s'appuie donc sur une plateforme pédagogique de type Moodle, dont on a déjà parlé ce matin, et bien sûr peut être utilisée en présentiel ou en distanciel, de façon synchrone ou asynchrone. Donc, tout d'abord, Réussir, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de quiz. Donc, ça, c'est très important. C'est un ensemble de quiz formatifs et scénarisés. Et vous verrez, on va vous expliquer cette scénarisation. Ces quiz portent sur des maths, de la physique et de la chimie. Et vous avez ici, sur le côté, la liste des thèmes que nous abordons dans notre plateforme. Donc, nous avons développé cet outil parce que nous avons constaté qu'à l'entrée à l'IUT, nous, les étudiants qui arrivaient avaient parfois des difficultés sur des prérequis. Et donc, cet outil essaye de répondre pour aider la remédiation de ces étudiants, voire l'apprentissage sur certains thèmes. Donc, tout d'abord, Réussir, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous mets à côté comme ceci la plateforme. Donc, la plateforme d'un département, donc c'est le mien, c'est celui de génie électrique et informatique industrielle de Toulouse. Et donc, c'est la vue étudiant. Donc, dans cette plateforme, donc, on a parlé d'un ensemble de quiz. Alors, il y a plusieurs types de quiz. Donc, tout d'abord, il y a des quiz de positionnement. On parle de quiz de positionnement global. Il y en a plusieurs, hein, ils sont adaptés à chaque spécialité, puisque vous avez vu, on travaille sur une liste de thèmes. Tous les thèmes ne sont pas pertinents pour toutes les spécialités. Et donc, ce quiz de positionnement global, lorsqu'il est utilisé par un enseignant, il permet d'avoir dans un premier temps une vue globale, hein, sur sa promotion, donc sur l'ensemble des thèmes qui sont questionnés donc dans ce quiz de positionnement global. Donc voilà, il a la vue de sa promotion par thème, donc il peut voir quels sont les thèmes qui posent le plus de difficultés à ses étudiants. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième point, il peut voir aussi le profil de chacun de ses enseignants, donc de façon automatique, bien entendu. Donc, il va avoir le profil de son étudiant. Et là, on voit par exemple que Arthur, eh bien, il a un profil avec quelques difficultés sur un certain nombre de thèmes. Donc, l'étudiant Arthur, par exemple, il a des difficultés sur le thème qui s'appelle équation premier degré. Et donc, lorsqu'il a eu une question sur ce thème dans le quiz de positionnement global, je ne l'ai pas dit, mais dans ce quiz, il y a environ 20 questions qui portent sur en général une dizaine de thèmes. Donc, il n'a pas su répondre à cette question. Et en fin de quiz,
Il a un feedback qui lui dit, bon, mais par exemple, sur cette question, tu n'as pas su répondre, elle portait sur tel thème. Et donc, pour remédier à tes difficultés sur ce thème, on te conseille de faire un autre quiz qui est le quiz de positionnement par thème, donc le quiz qui porte uniquement sur ce thème, donc équation du premier degré. Donc, vous voyez, on était là, on était sur le quiz de positionnement global. Donc, quand l'étudiant clique, il a le quiz qui apparaît. Donc, je vous montre ici. Je vous montre la tentative. Donc, c'est un ensemble de 20 questions, voilà, que l'étudiant a à faire. Donc, il porte sur un ensemble de thèmes. Donc, là, vous voyez sur les fractions, par exemple. Donc, je reviens, pardon. Donc, on a vu, donc, comme il n'avait pas su répondre, on lui conseille de faire le quiz de positionnement par thème. Donc, là, le quiz de positionnement par thème, c'est bien sûr cette section-là de la plateforme. Donc, là, l'étudiant, on va lui proposer de faire ce quiz, et dans ce quiz, il y aura moins de questions, mais il y aura une question par acquis d'apprentissage visé sur ce thème. Donc là, vous voyez, par exemple, deux questions qui font partie de ce quiz de positionnement. Lorsqu'il n'a pas su répondre, eh bien, à ces questions, en faisant ce quiz, on va lui dire, bon, ben voilà, tu n'as pas su répondre à cette question, donc là, on te conseille d'aller t'entraîner sur un quiz spécifique. Donc, celui-là, par exemple, résoudre AX plus B égale C, niveau 0, ou alors celui-là, niveau 2, donc le premier était niveau 0, le second niveau 2. Et donc là, l'étudiant, on va lui conseiller donc d'aller dans l'espace d'entraînement pour travailler ses points faibles. Donc, l'espace d'entraînement, c'est ici. Il va avoir, bien sûr, la liste des thèmes. Il va avoir donc un lien pour aller directement sur l'entraînement concerné. Donc ici, l'entraînement équation qui va apparaître. Voilà. Et donc, comme dans l'entraînement, il y a un certain nombre de quiz à faire, pour ne pas qu'il se retrouve dans une montagne de travail, on lui spécifie vraiment quel quiz aller faire. Donc, on a vu que l'espace d'entraînement se présentait de cette façon-là, avec un ensemble de quiz, et on lui a conseillé d'aller faire ce quiz-là. Quand l'étudiant va faire ce quiz, il va avoir un certain nombre de questions. Et là, pour chacune de ces questions, en fait, chaque fois, il va avoir des indices. Des indices qui vont être de type formatif, hein, de façon à ce qu'il puisse voir pourquoi, enfin, pour l'aider d'un point de vue méthodologique, bien sûr. Et il va aussi avoir la solution détaillée. Ces quiz, il pourra les faire autant de fois qu'il le souhaite, de façon à pouvoir vraiment s'entraîner. Et l'enseignant, bien sûr, a une vue sur l'entraînement de chacun de ses étudiants. Très prochainement, dans chaque espace d'entraînement, il y aura aussi des vidéos très courtes sur les différents points de cours si l'étudiant veut travailler de cette façon-là. Claire, à toi. Donc, réussir, comme vous l'a dit Claude, donc c'est pour de l'apprentissage ou pour de la remise à niveau. C'est un ensemble de quiz donc, qui est formatif. Donc, sur les thèmes dont nous avons parlé, il y a 20 thèmes en mathématiques, il y a 2 thèmes en physique et il y a 6 thèmes en chimie. Et il est articulé autour de 6 fonctionnalités. Donc, Claude vous en a parlé, elle vous a parlé du positionnement global, qui est un quiz qui permet de faire du diagnostic à l'intérieur d'un ensemble de thèmes pour savoir quels sont les thèmes qu'il faut travailler. Ensuite, il y a les quiz de positionnement par thème qui, à l'intérieur d'un thème, permet d'avoir un grain plus fin pour le diagnostic et savoir quels sont les acquis d'apprentissage visés qu'il faut travailler. Ensuite, nous avons aussi les quiz d'entraînement, donc pour que les étudiants puissent aller s'entraîner sur les conseils qui sont prodigués par la plateforme. Donc, c'est de la remédiation qui est formative, comme vous l'a montré Claude. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui est de l'avancement par thème, qui permet à l'étudiant de s'auto-évaluer, de savoir où il en est par rapport à son apprentissage dans l'entraînement pour pouvoir se repositionner avant la certification notamment, enfin pas que avant, mais avant la certification, pour savoir s'il est prêt pour la passer. Et nous avons ensuite nos deux fonctionnalités de certification, la certification par thème pour certifier un ou plusieurs thèmes, et la certification globale qui certifie un ensemble de thèmes qui sont les mêmes que ceux qu'il y avait dans le positionnement global. Puisque, comme vous l'a dit Claude, elles sont adaptées à nos spécialités d'IUT.
Donc, toutes ces fonctionnalités permettent de faire des scénarios qui sont des scénarios qui peuvent être très élaborés, où on utilise plusieurs fonctionnalités, par exemple le positionnement global, puis le positionnement par thème, puis l'entraînement, puis la certification par thème, mais on ne peut utiliser qu'une des fonctionnalités, par exemple l'entraînement uniquement. Donc, toutes ces scénarisations permettent de faire du diagnostic, de la prescription, de la remédiation et de la certification. Donc, ça peut être très divers et varié, et ça dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Claude? Oui, mais je sais. Pardon. Donc, réussir peut s'utiliser du lycée à l'université. Alors, par exemple, au lycée, donc pour se positionner, pour s'entraîner, pour apprendre et consolider des notions qui sont vues au lycée. Ensuite, avant l'entrée dans l'enseignement supérieur, on peut le proposer en cahier de vacances, puisque nous, à l'IUT, nous le proposons en cahier de vacances à nos néo-entrants. Donc, ce cahier de vacances leur permet de consolider les notions qui ont été vues au lycée. Ensuite, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, donc où ils se repositionnent pour savoir où ils en sont de leurs apprentissages, ils peuvent se remettre à niveau et consolider des notions qui ont été vues au lycée. Et enfin, dans l'enseignement supérieur, on peut l'utiliser pour avoir des notions qui sont nécessaires comme prérequis pour un module qui commence, pour remédier ponctuellement à une notion qu'ils ne connaîtraient pas ou qu'ils ont oubliée, pour suivre sa progression, donc pour s'auto-évaluer, pour être évalué, et enfin pour apprendre les notions qui ne sont pas vues au lycée. Ces fonctionnalités sont indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas de hiérarchisation pour l'utilisation de ces fonctionnalités et ça permet, comme je vous l'ai dit, des scénarios qui sont très différents et très complémentaires. Réussir, c'est aussi une partie sur l'étude de la langue anglaise. Donc, c'est un projet qui est en cours. Donc, la langue qui est travaillée, c'est l'anglais. Il y aura trois domaines quand la partie anglais sera terminée. Donc, il y a la partie grammaire qui est en cours d'élaboration, il y aura la compréhension orale et la prononciation. Et dans le domaine grammaire, il y a trois thèmes qui sont abordés, le groupe verbal, le groupe nominal et la syntaxe. Et à l'intérieur du groupe verbal, qui est celui qui est en cours d'élaboration avec une élaboration la plus aboutie, les acquis d'apprentissage visés, c'est les présents, le prétérit, l'impératif, le futur et la modalité. Et c'est notre collègue Suzanne Balmer qui pilote ce projet-là. Voilà, donc merci de votre attention. Nous avons fini notre présentation et l'équipe de réussir vous remercie et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous avez en bas notre contact réussir@iut.fr si vous souhaitez demander l'ouverture d'espace puisque c'est une application qui se fait sur demande. À partir de ce lien-là. Merci de votre attention. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, non, vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, on va afficher. Voilà. Merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question brûlante. C'est autodidaxie complexe, c'est-à-dire qu'on s'inscrit. Ou est-ce que c'est intégré dans des modules? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des enseignants qui décident de fixer un contrat pédagogique avec les étudiants en disant, allez vous faire certifier sur telle ou telle partie? Du Oui. dispositif. Alors, en fait, c'est chaque formation qui souhaite utiliser Réussir en fait la demande. Et donc, ensuite, on déploie une plateforme pour la formation en question. Ensuite, les enseignants sont inscrits dans cette plateforme et c'est à eux de la scénariser, de voir comment ils veulent l'utiliser et éventuellement de donner des contrats à leurs étudiants en leur demandant de travailler tel point ou de se préparer pour passer la certification globale à la fin, etc. Mais un étudiant ne peut pas y aller tout seul. D'accord? On déploie un espace pour une formation. Et ensuite, les enseignants qui sont inscrits dans cette plateforme vont tout simplement donner un lien d'accès à leurs étudiants pour pouvoir un code d'accès. Les étudiants vont se créer un compte, puisque c'est une plateforme Moodle, donc il faut qu'ils se créent un compte. Ils se créent un compte, on leur donne un code d'accès et ça leur permet d'arriver dans leur espace, dans l'espace de leur formation.
Pour le cahier de vacances, c'est pareil, par exemple, parce que celle-là, il n'y a pas d'enseignants qui les suivent en permanence, hein, mais ce sont des choses qui sont accompagnées, puisque nous, on le propose dans mon IUT, mais avant de les envoyer sur la plateforme, c'est accompagné, on leur dit ce qu'ils ont à faire, où est-ce qu'ils doivent aller, etc. Ils ne travaillent pas tout seuls sur cette plateforme-là, surtout que nous, les nôtres, ce sont des étudiants qui sont tout neufs, issus du bac, et voilà, qui sont encore très jeunes. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question concernant les questions. Vous avez dit que vous avez 20 questions à peu près au début pour vérifier les différents thèmes. Vous avez pu tester que ces questions vraiment, comment elles marchaient pour vérifier le niveau. Et la deuxième question, c'était par rapport à la certification. Comment vous avez pu valider les questions de certification? Comment ça s'est passé? Je réponds, Claire, ou toi? Oui, vas-y. Non, en fait, ce qu'on n'a pas pris le temps, parce qu'on a essayé d'être synthétique, de vous expliquer, c'est que lorsqu'on était allé dans la phase de projet, on a élaboré tout ceci avec un nombre important d'enseignants, des enseignants de lycée et d'IUT, puisque c'était au tout début, on était vraiment sur la transition, donc il fallait que ce soit fait vraiment avec, je dirais, le langage utilisé dans les lycées, puis les points nécessaires pour l'IUT. Donc, en fait, on a fait les équipes d'enseignants et ces enseignants ont produit. Il y a eu, bien sûr, des phases de relecture, etc., pour valider. Donc, toutes les questions ont été expertisées. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Et donc, ensuite, on a fait, pour le quiz de positionnement, par exemple, global, ce que l'on a fait, c'est que il y a des enseignants qui ont produit, donc des équipes d'enseignants qui ont produit. Et ensuite, pour chaque spécialité, par exemple d'IUT, il y avait une équipe d'enseignants qui était volontaire, qui était nos référents, si vous voulez, qui ont choisi les questions qui leur semblaient pertinentes pour évaluer. Ils avaient un choix, ils avaient une banque de questions et ils ont élaboré comme ça leur test. Ils ont choisi, voilà. Et donc, ça, c'était pour le quiz de positionnement global. Ensuite, pour la certification, il y a eu également une phase de production, bien sûr. Par contre, la production, elle s'est faite en regard de chaque question de positionnement global. Quand on avait une question de positionnement global, on en a produit une autre qui portait sur le même acquis d'apprentissage visé et même le même acquis d'apprentissage élémentaire, hein, de façon à ce qu'on évalue bien la même chose pour mesurer la progression, notamment des étudiants. Et ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que pour la certification, bien sûr, on a essayé de travailler sur la sécurisation, hein, puisque ça se passe en ligne. Donc, il y a un tirage au sort entre un certain nombre de questions qui ont, par exemple, des valeurs numériques différentes ou des choses comme ça. Enfin, voilà, de façon à ce qu'il y ait que deux étudiants côte à côte, globalement, n'aient pas la même question. Voilà, et notre application suit l'évolution des programmes. Par exemple, nous sommes adaptés à l'évolution des programmes du second degré, puisqu'il y avait des thèmes qui étaient vus au lycée de façon quasi systématique par les élèves avant la réforme du lycée. Depuis la réforme du lycée, il y a des thèmes qui ne sont pas vus systématiquement. Donc, nous, on a adapté aussi notre plateforme, nos questions, à l'évolution de ce qui se passe dans le second degré. Puisque comme vous l'avez vu, c'est aussi utilisé dans le second degré et c'est vraiment la jonction entre le second degré et l'entrée à l'université. Nous travaillons sur les acquis du lycée. Voilà, et les enseignants peuvent donc prescrire du travail à faire à leurs étudiants de façon individuelle, puisqu'en fonction chacun de leur soit parcours, soit difficulté, etc., ils peuvent avoir un travail prescrit dans le cadre de la plateforme Réussir. On a encore de la place pour une question. Manuel Majeda, Unicien. On a un dispositif très similaire au vôtre, donc un ancien qui date de 2015 et un plus récent qui date de 2019, en fait, hein, pour la réforme. Et j'ai trouvé un truc vraiment très intéressant de ce que vous avez fait, qu'on essaye de faire en ce moment. Donc, si on peut mutualiser sur le sujet, ça m'intéresserait. C'est la représentation graphique que vous avez faite pour les enseignants, qui est vraiment un élément clé, puisque se positionner pour l'étudiant, c'est bien, mais influer sur l'enseignant, c'est mieux. Sur le sujet. Bien sûr. Très intéressant. Ouais. Vous avez fait comment techniquement, puisque c'était question sur Moodle, les graphiques, vous les faites comment? Pour les radars, vous parlez, j'imagine? Oui, c'est les radars dont il parle. Voilà. Oui.
C'est ça. Eh bien, on a, l'enseignant, il récupère son fichier de notes depuis Moodle, il le colle dans un fichier et automatiquement, ça génère les radars. Voilà, on a fait une macro. Voilà. C'est une macro sur Excel. Voilà. Pour information, si ça vous intéresse, nous, on a développé un élément qui fait du public postage, mais ça doit se faire au niveau d'un établissement, pas au niveau d'un enseignant. Voilà, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment le point clé, c'est transférer à l'enseignant pour qu'il puisse agir. Oui, voilà. C'est très. Les étudiants aiment beaucoup, moi, les miens, je leur distribue à chacun leur radar une fois qu'ils ont fait le positionnement. Et ce sont des diagrammes qui sont vraiment très visuels et ça fixe vraiment les idées. Donc, les étudiants me disent, moi, oui, je savais que j'avais des difficultés à tel endroit, mais là, je m'en rends vraiment compte. Ou alors, ils savaient qu'ils savaient faire certaines choses et ils se disent, ah oui, ben, je me rends compte que je ne suis pas si mauvais dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment très bénéfique. Et pour l'enseignant, effectivement, le diagramme radar, parce qu'il se rend compte du profil de sa promotion, mais aussi pour les étudiants, parce que ça fixe bien les idées. C'est une image qui est vraiment très, très visuelle et très importante et ils apprécient beaucoup, les étudiants, que nous leur fournissions ces diagrammes radar. Je pense que vous êtes dans la salle, notre directeur est aussi dans la salle, donc vous pouvez prendre contact entre vous, je pense. Oh, oui, voilà, si vous le souhaitez. Mais effectivement, moi, je connaissais déjà ce que vous êtes en train de construire sur Uniciel, puisque dans mon université, j'ai une collègue qui travaille sur Uniciel, et quand on se retrouve ensemble, quand on fait nos présentations, donc effectivement, je sais que ça ressemble à ce que l'on fait. On est complémentaires, on n'est pas exactement sur le même type de public, et on ne se marche pas les uns sur les autres. Oui, enfin, moi, dans mon université, voilà, sur mon université, on est complémentaires. L'aspect que vous avez, parce que je trouve que beaucoup sur les tests de positionnement, très souvent maintenant, malheureusement, ils sont souvent utilisés en auto-positionnement, ce qui renvoie à sa propre difficulté sans donner de solution. Et ça, c'est quand même malheureux. Donc, le fait de pouvoir refaire une information, je pense que c'est vraiment un point clé. Oui, nous les voyons souvent, nous étudiants, nous les avons très souvent et on les voit, moi je les vois tous les jours, les miens. Donc, c'est vrai que ça permet un suivi individuel et un suivi qui est un suivi régulier. On a une question en ligne, on ne va pas se priver de la prendre pour quand même donner la parole à nos auditeurs à distance. Et donc, je vous la lis, ce système fonctionne ou pourrait fonctionner pour les VAE ? Point d'interrogation. Les VAE, alors les VAE, effectivement, ça permet avec la certification que nous avons sécurisée, mais bon, c'est notre certification à nous. Il n'y a rien d'officiel au niveau du ministère, par exemple. Mais ça pourrait servir pour la VAE, notamment pour certifier des niveaux, un niveau minimal en mathématiques, en physique et en chimie. Ça peut effectivement. Bon, bah après, est-ce que dans la VAE, on valide ces compétences-là ou ces connaissances ? Ça dépend du type de VAE. Effectivement, oui, pourquoi pas. Très bien, merci. C'est quoi, donc, on habitait là.